Les téléspectateurs de Touche pas à mon poste ne sont jamais au bout de leur surprise. Car Cyril Hanouna a toujours l'opportunité de faire rire son public fidèle et, dans la soirée de mardi 20 septembre, il avait le bon client. En effet, alors qu'il recevait Ragnar le Breton sur son plateau, alias Mathias Kivigé devenu célèbre grâce à son personnage de Michel Venom et qui fait la promotion de son nouveau spectacle, Cyril Hanouna lui a lancé le défi de reproduire un geste qui l'a rendu célèbre. C'est-à-dire donner une gifle. Et l'animateur a ensuite désigné son chroniqueur Gilles Verdet pour se prêter au jeu et recevoir la dite gifle en plein direct. Ragnar le Breton y est évidemment allé en douceur, histoire de ne pas envoyer valser Gilles Verdet, même si sa tête a bien vacillé. Ça va très bien, ça me fait plaisir, a-t-il réagi après coup, lui-même amusé par la scène. Et pour Ragnar de lui reconnaître une peau très douce. Si est-il très agréable, a-t-il encore confié. Le chroniqueur a tout de même eu l'opportunité de claquer à son tour le grand blond bien musclé. La séquence a eu vite fait de faire réagir sur les réseaux sociaux. Bon nombre d'internautes hilares face aux images, ont même été reconnaissants envers Ragnar le Breton pour avoir osé ce geste envers Gilles Verdet. Il a réalisé le rêve de pas mal de personnes là, il a fait ce que tout le monde rêve de faire, c'était beaucoup trop gentil. Il aurait dû le mettre K.O, qu'il prenne du repos, en espérant que ça lui a remis les idées en place, la meilleure scène de l'année, la gifle est magnifique, peut-on lire sur Twitter.